Oui, moi c'est encore temps de dire il me semble. Aujourd'hui c'est le 22 octobre 2017. Ça c'est pour la création de l'animal pensant. L'Éternel, mon Dieu, Père Yahweh, créateur de toutes choses, Dieu des dieux, a créé l'animal pensant parce que il y avait des divinités là-bas que dans leur cœur voulaient déjà se faire passer pour le créateur. Donc maintenant, il a créé l'animal pensant pour lui donner l'occasion de se faire passer pour Dieu. Et c'est pour ça que les enfants rebelles qui sont descendus du ciel sont venus ici là, ils ont vu l'occasion de se faire passer pour des dieux. C'est pour ça que quand tu es fort, on dit c'est un lion, on dit c'est un tigre, c'est un scorpion. L'animal pensant que vous êtes la dernière créature, on peut encore vous appeler humain, mais vous n'êtes pas les hommes. C'est pour ça que vous allez voir dans ces fausses églises, il y a des photos des vierges avec un enfant. Cet enfant représente un peuple ou une nation, ce n'est même pas un animal pensant. Maintenant, c'est cette vierge-là qui est un homme. C'est ça qu'on appelle homme, ce n'est pas vous l'animal pensant. Et aussi maintenant, pour bien vous écarter du vrai créateur, Jéhovah et les alliés à travers la France et les alliés font à vos enfants manger des nourritures qui ne sont pas bien. Donc je vais vous les citer dans la prochaine vidéo. Ce n'est pas que je me moque de vous. Par exemple, les albinos, Jéhovah a fait à les alliés, on fait croire aux albinos qui s'appellent blancs. Pourtant, personne n'a la couleur blanche. Il y a la couleur marron, il y a la couleur albinos, il y a la couleur jaune. Tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Bye.